Imagination. Concept. Proche de ses abonnés. Multigamer. Multiplateforme. Youtubeur nouvelle génération. Monsieur Coty s'occupe de tout. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo détente de WWE 2013. J'ai une petite question dès le début, vous entendez la musique? Écoutez, deux secondes. C'est la musique de quel catcheur? Celui-là qui trouve, franchement, félicitations à lui, parce qu'il aura du niveau, voilà, tout simplement. Donc, je vous laisse écouter ça quelques secondes. Voilà, donc on verra en commentaire qui trouvera. Et ceux qui trouveront, bah franchement, je vous dirai bravo parce que moi je connais pas en tout cas. Voilà. Donc on va faire un contre 1. On a le normal, Extreme Rule, Hell in the Cell, Inferno. Mais moi je vais me prendre un petit Extreme Rule. Les personnages que je vais prendre, j'ai pioché un petit peu au hasard par rapport à ce que les abonnés ont demandé. Premier, voilà. Je vais prendre, hop là, Kofi Kingston qui a 87. Et il est où ce petit Zupa Loompa de The Miz? Il est où The Miz? C'est qui cette... Il est où? Ah, bah, 87. C'est qui a le plus gros niveau? Bah finalement c'est The Miz. Hop, qui est plus élevé au niveau... Je vais laisser encore une fois les. Je vais juste prendre une arène, on va prendre TLC, je sais pas ce que ça veut dire, mais on y va. Hop. Ah, c'est peut-être la chanson de Triple H. Peut-être. Aucune idée. Alors Pimous me dit que c'est Table Leaders Chase. Ou Chair. Enfin, je sais pas comment on prononce. Vous savez, moi et mon accent anglais est vraiment pourri. Moi j'adore Kofi Kingston. C'est un catcheur que je trouve spectaculaire parce qu'il saute dans tous les sens, il met des coups de pied inimaginables. Ouais, on fait de lapin. Franchement, lui, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est pas assez reconnu pour son talent, enfin, du moins à l'époque où je regardais. Peut-être que maintenant, c'est vraiment devenu une superstar au-dessus de tout le monde. Voilà. Il a des jolies fesses aussi. J'aime bien. Par contre, The Miz, je vous avais dit la première fois que c'est un Canadien. Et mes abonnés m'ont dit, non, The Miz, il n'est pas Canadien. C'est sa copine. Comment s'appelle la copine de The Miz? Oh, je me souviens plus. On m'a dit que c'est sa copine qui est Canadienne. Et du coup, bah, vu qu'elle est Canadienne, il parle un peu français. Voilà. C'est une diva, mais je me souviens plus du tout de son nom. Voilà. C'est bien grave, hein. Ah, il est champion The Miz. C'est champion intercontinental, pardon. Et qu'est-ce que c'est comme truc intercontinental? Que moi j'arrive pas à me situer par rapport au terme du truc. Intercontinental. Peut-être, ouais, c'est pas champion du monde. C'est peut-être intercontinent. Donc le continent des États-Unis d'Amérique. J'ai dit peut-être des bêtises, mais j'arrive pas trop à situer le terme. Je l'ai un petit peu passé parce que Léa va nous montrer sa ceinture. Il va me faire rager. Voilà. Allez. C'est parti. Là, dès le début. Voilà, direct. Pas de pitié. Parce que dans mon match avec la cage, là, je me suis fait avoir. Oh putain, comme une crêpe. Oh là, je vous dis, je rigole même pas. Il me dit. Je fais comme vous m'avez dit. Merde, j'aurais dû faire L1 pour. Oh, pourquoi il a pas eu R2? Et merde, hey, c'est pas possible, il m'a tué en 2 secondes.
Putain, je l'ai dominé de... Je lui ai fait un finisher, je l'ai... Et maniqué. Et bien voilà, The Miz a remporté ce match contre Kofi Kingston en une minute. Et non pas. Vous pouvez écrire en commentaire, Cody, tu es un boulet. Ou Kofi Kingston va venir te défoncer ta gueule. Vous pouvez écrire des commentaires comme ça, il n'y a pas de soucis, je les prendrai. Allez, je vais faire un deuxième match parce que là, j'ai honte. Il m'a fait un... En fait, là, c'était vraiment un match de catch. C'est-à-dire, j'ai dominé, retournement de situation, et je me suis fait avoir. On va faire exhibition encore une fois, normal, extreme rule. On va faire un deuxième match pareil. Mais on va prendre deux autres catcheurs. Donc, hop, qui est-ce qu'on va prendre Il est où Pardon. Il y en a un que j'aime bien. Enfin, pas que j'aime pas trop, mais... Attendez. Voilà, on va prendre Dolph Ziggler. Je vais le prendre. Voilà. Et on va le faire jouer contre... Contre qui on va bien pouvoir le faire jouer Bah non. Allez, contre... Mike Foley. Hop, c'est parti. J'ai lu vos commentaires, vous m'avez dit que voilà, c'est un petit fou ce mec. Il a plusieurs personnalités et compagnie. L'arène, on va prendre Superstar AG. Yeah. Jouer. On va encore laisser la... comment on appelle ça? L'intro. Enfin oui, l'entrée. Parce que je sais que en commentaire, encore une fois, je répète beaucoup ce mot. Mais en commentaire, vous m'avez dit de laisser parce que vous aimez bien voir les entrées des catcheurs, bah, comme à la télévision, quoi. Moi, ça me permet aussi de pouvoir vous parler en attendant. J'espère que ce match-là, ça va se passer beaucoup mieux. Parce que là, ça fait déjà deux défaites en vidéo. Voilà. J'espère que je vais pas me bouffer une troisième. Sinon, là, je sais pas ce que je vais faire. Pourtant, je joue. Je suis pas mauvais, mais... voilà. N'hésitez pas à prendre à manger ou à boire pendant mes vidéos. Hein. Je sais qu'il y a pas mal d'abonnés, des fois ils m'envoient leurs photos sur Twitter pour me dire allez, c'est parti pour une vidéo de Monsieur Cotty et montre leur bouffe et tout. Genre un petit hamburger avec du coca à côté. Faut pas hésiter à vous faire plaisir à manger pendant mes vidéos parce que ça peut durer longtemps. Là c'est des petites vidéos, donc c'est un match ou deux. Donc c'est entre 10 et 20 minutes. Ce mec là il me fait peur. Franchement, je vois un mec comme ça dans la rue. Ça va. Là, moi, je trouve qu'il fait pas vraiment peur. Enfin, en image comme ça. Mais quand on le voit dans le menu de sélection des personnages, il me fout vraiment l'impression. Il faut savoir que ces vidéos, je les enregistre à la suite. Par rapport à la première que vous avez vue, je vais en faire 3 pour pouvoir les faire à la suite. Et après, je vais tenir compte de tous les matchs que vous m'avez dit en commentaire. Donc, n'hésitez pas encore une fois de les mettre en commentaire ce que vous voulez voir et me donner des conseils. Parce que, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre un maximum. Même si à un moment, c'est un peu compliqué pour moi. Mais on fait ce qu'on peut. Voilà, coup du bélier. Reste pas partout. Étranglement avec le pied. Voilà. C'est qui le patron maintenant? Je monte. Non, je monte à la troisième corde. S'il te plaît. Voilà. Ah mais pourquoi il fait mal? Il a pas esquivé pourtant. Et c'est fait mal. Et il a un plâtre ou c'est une chaussette? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est fou ce monkey. Ah là c'est bon, je vais pas me faire avoir plusieurs fois. Relève-toi. Ah, je te jure, je vais te le faire autant de fois qu'il faut le faire celui-ci. Ah
Oh mais pourquoi? Eh, c'est pas de ma faute, je vous ai dit, ma manette déconne. Elle appuie sur les flèches directionnelles toute seule. Du coup, des fois, voilà, bah, il peut arriver ce genre de choses. Je vais essayer de me le faire en soumission, lui, si c'est possible. J'ai l'impression que Dolph, c'est beaucoup. Vraiment un mec qui joue beaucoup avec ça. Voilà. En plus, il a pas été léger, Van Kid. Allez, monte troisième corde. Et là, tu fais le Oompa Loompa del Senior. Putain, mais. Dolph. Allez, relève-toi. Non, on va pas le finir comme ça. Parce qu'il m'avait relevé. Aïe. Allez. Comment on fait pour récupérer les objets? Oh là. Eh, attends, j'ai jamais fait ça. Attends, je vais essayer de le faire. On peut pas le. Oh. Eh, première fois que je vais faire ça. Oh putain. Mais quel enculé. Excusez-moi. Ah, il m'a niqué, putain. Vas-y, ça m'énerve, ça, dans tous les matchs. Pourquoi il se met comme ça, hein? Tous les matchs, je le réussis parfaitement. Mais non. Moi, j'aimerais bien une petite table. Allez, viens, mon kid, mon ami. Je vais te mettre un coup de table. Est-ce qu'on peut la poser ici? Eh non, je voulais la poser. C'est dommage. Oh non. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh, il monte. Il monte pas son. Oh merde, il va me défoncer. Non, Dolph. Non. Je suis maudit. Monkey a gagné. Monkey. Putain, ça me saoule. Oh. C'est pas possible. Je vais perdre tous mes matchs. Pourtant, j'ai. Ah, mais là, j'ai vu ma bien. C'est à cause de ce moment-là, là. Là, même les présentateurs, ils ont fait, ah putain. Et là, ce coup-là était. Ouais. Il a même fait soulever la table. Bah voilà. C'est fini pour ce beau petit match. Encore une fois perdu. D'ailleurs, j'espère que vous avez voté pour moi pour le match gagnant. Je vais arrêter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas. Sinon, je suis désolé de vous avoir déplu, tout simplement. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Salut !